à l'approche de la présidentielle du 23 décembre avec un coup de gueule des États-Unis aux Nations Unies. L'ambassadeur adjoint s'est élevé contre l'utilisation des machines électroniques pour voter, un risque énorme et inutile selon lui. Jonathan Cohen demande aussi au président sortant, Joseph Kabila, de sortir de l'ambiguïté. Nous attendons du président Kabila qu'il respecte la Constitution. Il n'est pas éligible pour un troisième mandat selon la loi congolaise. Les États-Unis regrettent que le président Kabila n'ait pas saisi l'opportunité de son discours du 19 juillet pour clarifier ses intentions. Pour ce qui est de la préparation des élections, ce conseil a autorisé la MONUSCO à fournir un soutien logistique à la commission électorale. On attend du gouvernement congolais qu'il saisisse cette opportunité. Il est crucial que la CENI fournisse les informations nécessaires à la préparation de ce soutien. Nous n'avons pas vu de preuve que la CENI est capable de les organiser sans ce soutien. Et la MONUSCO ne peut pas s'y mettre à la dernière minute. La CENI doit également assurer aux électeurs congolais la mise en place d'un mécanisme de vote testé, fiable et qui garantisse le secret du vote, à savoir des bulletins. Déployer pour la première fois de son histoire 100 000 machines de vote électronique jamais testées, inconnues des populations et qui pourraient mal marcher est un risque trop grand et pas nécessaire. La population congolaise attend depuis presque 2 ans. Le président Kabila a promis de respecter la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. On est à 5 mois des élections. Le temps de la gesticulation est terminé. L'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU, Jonathan Cohen, traduction Sonia Rollet.